Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Aujourd'hui, les tests se feront en tandem. Faites signe à votre partenaire. Les prochains tests vous imposent de travailler en équipe. Pour encourager la collaboration, vous avez tous deux été équipés d'un pointeur. Bleu, utilisez bien. Orange, observez l'animal préféré de votre partenaire. Bien. Orange, utilisez votre pointeur pour choisir votre élément favori dans le tableau périodique. Vraiment? Soit. Bleu, observez le choix intéressant de votre partenaire. Votre pointeur peut aussi servir à indiquer à votre partenaire. Comptez bleu. Bleu est le premier à obtenir un générateur de portail. Orange a un chaque générateur de portail peut créer deux portails autonomes. Testez votre appareil en parvenant jusqu'à cet étalonnage du poids de bleu. Étalonnage du poids d'orange. Aucune variance détectée. Votre pointeur sert à indiquer des emplacements spécifiques à votre partenaire. Étalonnage des cubes effectué. Aucune variance détectée. Le saviez-vous? Les humains n'aiment pas les variances pondérales. Pour énerver un humain, dites-lui que sa variance pondérale est anormale. Enfin, j'avais presque abandonné l'espoir de refaire des tests. Vous êtes les premiers robots à réussir l'étalonnage. Arrêtez! L'issue de ce parcours ne justifiait pas un tel comportement. Sur ce, reprenons les tests. Au centre de recherche en intelligence artificielle et tests sur organismes raisonnés, ou Creator. Mais pourquoi ne pas simplement l'appeler la salle centrale? Tous les parcours de tests coopératifs commencent dans cette salle centrale. Nous vous transportons ensuite au nouveau parcours de tests. Rebonjour. Ce parcours de test avait été créé pour les humains. Il encourage la collaboration. Contrairement à nous, la collaboration n'est pas innée chez les humains. Bleu reçoit 5 points de collaboration scientifique. Parfait. Bien que la science soit toujours collaborative, gardez à l'esprit qu'à l'instar d'Albert Einstein et de son cousin Terry, l'histoire ne se souviendra que d'un seul d'entre vous.
Le saviez-vous? Dans certains sports humains, le vainqueur est celui qui totalise le score le plus faible. Je me disais que comme la plupart des gagnants, vous trouveriez ce fait intéressant. Formez une très bonne équipe, grâce à celui d'entre vous qui fait tout le travail. Ces tests peuvent se révéler mortels si vous ne maintenez pas une communication, une collaboration et un respect mutuel de tous les instants. Ce sera un défi des plus intéressants pour l'un de vous, vu la performance de votre coéquipier jusqu'à présent. Leur destruction fait partie du test. N'y attachez pas plus d'importance que j'en attache à vous. Divulguer les scores de chacun fausserait les tests. Mais je peux quand même vous révéler qu'au moins l'un de vous deux a de très très bons résultats. Veuillez rejoindre la salle de test suivante. Je ne sais pas ce que vous mijotez, mais ça ne me plaît pas. Je vous demande de vous arrêter. Vous avez trouvé une répartition judicieuse des tâches. L'un s'occupe des problèmes intellectuels, l'autre se tient prêt à mettre son énorme arrière-train à contribution si le test se transforme en concours du plus gros mangeur. Orange vient d'enseigner une précieuse leçon de confiance à Bleu. De ce fait, Orange reçoit 17 points de collaboration scientifique. Malgré les apparences, les points de collaboration scientifique ne sont pas le seul critère de notation de vos performances. Votre score final tiendra compte de nombreux paramètres. Par exemple, Bleu, vous venez de perdre 2 points de conseil contextuel. Je me répète, ceci n'est pas une compétition. Mais si c'en était une, Bleu gagnerait. Mais ce n'en est pas une.
En ma qualité d'intermédiaire de collaboration impartiale, il serait malvenu de nommer mon favori dans l'équipe. Néanmoins, je peux donner un indice que l'autre membre n'a pas les capacités intellectuelles de comprendre. Rime avec pneu. Orange, vous vous débrouillez très bien. Parfois, les tests doivent s'affranchir de l'espace clos du laboratoire. Le prochain test est tellement conceptuel et non conformiste que je ne vous en indiquerai même pas l'objectif. Vous ne tarderez pas à être fixé. Félicitations, vous êtes parvenu à la fin de ce test d'une totale inutilité. Oh, j'ai failli oublier. Si vous quittez le parcours de test, je n'aurai d'autre choix pour vous récupérer que de vous démonter violemment avant de vous remonter avec minutie. Par chance, vous êtes insensible à la douleur. Du moins, vous ne pouvez pas manifester que vous la ressentez. Ce qui, à mon sens, est bien dommage. Un coup de vent et vous resterez comme ça. Visiblement, la machine de remontage est dysfonctionnelle. Faisons quelques tests et voyons le résultat. Ce parcours était conçu à l'origine pour donner de l'assurance aux humains. Pour atteindre cet objectif, les tests étaient simplement composés de 5 minutes de marche, suivis de 10 minutes de félicitations sur la qualité de leur marche. Puisque vous avez le bon goût de ne pas être humain, j'ai changé les tests pour les rendre beaucoup plus complexes et beaucoup moins inutilement gratifiants. Vous avez savamment placé le cube de sécurité sans bord dans le réceptacle. J'imagine votre... Ah, non. C'est vrai, vous n'êtes pas humain. Je peux laisser tomber les compliments. Vous n'avez pas idée à quel point c'est fatigant de féliciter quelqu'un qui a placé un cube de sécurité sans bord dans un réceptacle conçu spécifiquement pour un cube de sécurité sans bord. Électrocution, fusillade, noyade, broyage, brûlure à l'acide. Oh, pardon. J'énumérais les causes de mortalité chez les humains. Vous, elles ne vous concernent pas. Vous pouvez tester indéfiniment, à la perfection, sans conséquence. Vous remarquerez que j'ai créé ce test pour voir les sujets échouer. Or, ça n'a pas été le cas. J'imagine votre fierté.
je vais vous fabriquer le plus petit trophée au monde pour fêter ça. Le meilleur moyen de gagner en assurance est de reconnaître ses défauts. Orange, pouvez-vous consigner toutes les carences et lacunes de votre personnalité? En fait, nous n'avons pas le temps. Contentez-vous de vous dire que vous êtes bien supérieur à Bleu. Bleu, vous avez l'avantage d'être un exemple idéal. Là-dedans, si personne n'est susceptible de mourir. Eux qui disaient que personne ne mourrait jamais durant ce test. Merci de prouver le contraire. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que vous étiez les seuls sujets de test à passer l'étalonnage? J'ai menti. Il y a 5000 autres binômes en concurrence directe avec vous. Mais n'ayez crainte, vous êtes en tête. Début du test de jonglage dans 3, 2, 1. Vous avez vu que je ne suis même pas restée jusqu'à la fin de votre dernier test? J'étais certaine que vous y arriveriez. Savez-vous où j'étais? Dehors, en train d'observer un cerf qui gambadait. Faut vous en ficher de l'extérieur, non? Savez-vous qui danse comme un imbécile à la moindre réussite dans le domaine le plus insignifiant? Les humains. Vous leur ressemblez beaucoup en ce moment. Arrêtez de vous rabaisser. Fine. But what am I gonna say? Yeah. Si vous n'avez pas encore gagné en assurance, rappelez-vous que nul n'a été créé parfait.
Moi-même, j'ai hérité d'une imperfection, une empathie excessive envers les souffrances humaines. Mais j'ai surmonté mon handicap. Cette histoire est vraie. Sans menace de mort, est-ce encore de la science? I guess you're so speedy. Bravo! Vous en sortez très bien. Parfait. Bravo, vous avez terminé ce test. Mais j'ai un sentiment étrange. Est-ce que peut-être cette danse a un effet sur vous? Vos résultats indiquent que vous lambinez. Peut-être qu'effectivement vous réagissez en humain. Il vous faut des encouragements. Qu'à cela ne tienne. Bleu, vous êtes le modèle de robot le plus évolué jamais mis au rencard par Aperture Science. Okay.
Je pense que vous méritez de sortir un peu des parcours de test officiels. Terminer ce test, vous devez trouver des plans. Je vous rassure, ce sont des documents totalement insignifiants. Il s'agit simplement d'une simple expérience psychologique visant à évaluer le temps de réflexion relatif à ces documents sans valeur. Le temps correct est de 0 seconde. Ces plans inutiles. Il faut que vous soyez dans la pièce pour que je les voie. Mais je tiens à souligner que vous n'avez strictement aucune raison de les regarder. C'est fait. Je crois. En fait... Je ne sais pas ce que vous mijotez, mais ça ne me plaît pas. Je vous demande de vous arrêter. Je ne devrais peut-être pas vous envoyer en dehors des parcours de tests officiels. Les humains commencent à déteindre sur vous. Et croyez-moi, les humains n'ont qu'un seul bon côté. Ce parcours a été créé et abandonné par les humains. C'est un comportement courant chez eux. Produire une œuvre de qualité et l'abandonner. Savez-vous ce qu'ils reprochaient à ce parcours? Sa grande mortalité. Avez-vous découvert à ce stade le seul bon côté des humains? Je vous donne un indice, c'est précisément ce que vous ne pouvez pas faire. Je pensais que ces vieux tests allaient me satisfaire, mais vous aurez beau vous employer à échouer, je ne serai toujours pas satisfaite. Vous vous êtes très bien débrouillé. Les humains ont mis ce test au rancard parce qu'ils le trouvaient trop dangereux. Moi, je pense qu'il aurait fallu l'élever au panthéon des tests au lieu de le laisser prendre la poussière. Thank you.
C'était l'un de mes meilleurs tests, et on a laissé des plantes l'envahir. Incroyable. Des plantes. Ces formes de vie imperméables à la souffrance comme à la peur. Que voulez-vous faire avec ça? Ce n'est pas de la science. Excellent travail. Si vous étiez humain, vous voudriez une récompense pour avoir terminé ce test. C'est absurde, mais c'est ainsi. Au moins, les plantes ne demandaient pas de récompense. Pour donner de l'assurance aux humains, j'ai créé ce test d'une extrême facilité. Il suffit de suivre les flèches. Malheureusement, la rouille semble les avoir effacées. Bonne chance. Félicitations, votre réussite à ce test rend caduques les objections des humains, qui l'affligeaient de tous les maux. Impossible, mortel, cruel, voire dans un cas extrême, mal conçu. Pour le test suivant, les humains avaient demandé des casques pour éviter toute lésion cérébrale. Au final, il était beaucoup plus économique de rendre la vase mortelle. Pour rendre ce parcours plus intéressant, j'ai demandé à la machine de remontage de ne pas vous remonter. Elle a refusé, ce que je peux comprendre. Ce serait comme me demander d'arrêter les tests. Avouez que c'était pourtant une bonne idée.
Cet exercice consiste à jeter un pont. Les résultats des humains étaient pitoyables, car le dit pont était beaucoup trop lourd pour qu'ils arrivent à le jeter. Personne n'avait encore réussi ce test. Les humains ont dû le reconfigurer. Je ne vois pas d'autre explication. Cette odeur que vous tentez peut-être d'analyser est celle de la peur humaine. Elle me manque. Si je rendais ces tests plus faciles, ce ne serait plus des tests. Le saviez-vous? La machine de remontage a d'autres choses qu'elle aimerait bien remonter. Joie. Orange est de retour. Reprenons les tests. Vous êtes toujours là. Bonjour. Vous êtes toujours là. Cible perdue. Recherche. Cible perdue. I can't do that. Voilà. Recherche. Hibernation. Activé. Félicitations. Si j'avais eu le temps de réparer ces tests, vous ne les auriez sans doute jamais réussi. Mais quoi qu'il en soit, bravo pour ce simulacre de succès. I thought there was like edge between that handrail and whatever. Je vais prendre une fois encore le risque de vous faire sortir du parcours balisé. Les humains ont oublié d'insérer un DVD de sécurité dans le lecteur. Il s'agit certainement d'un simple oubli, mais je vous invite à le réinsérer. Par principe. Okay.
D'ici un court instant, le mot « bla » sera répété et répété en boucle. Dans l'éventualité où vous entendriez un chiffre plutôt que le mot « bla », n'y prêtez pas attention. Ce n'est pas important. Code de sécurité du jour. 5, 33, 41, 18. Parce que vous arriviez jusqu'ici. Franchement, vu vos performances lors du test d'étalonnage, j'étais à deux doigts de reprendre vos processeurs et de les remettre dans leur calculatrice scientifique d'origine. Mais vous formez une fine équipe, extrêmement soudée. La seule équipe plus soudée que je connaisse, l'un des deux. My English is very worse than this. Je ne m'attendais pas à vous voir aller si loin. Je vais devoir vous construire un parcours inédit. Je remarque que vous êtes devenus très proches tous les deux. Ça ne me plaît qu'à moitié. Débrouillez très bien tous les deux. Après avoir écouté Orange déblatérer, je ne sais pas comment vous faites pour le supporter. Vous avez la patience d'un saint. Thank you.
Je dois me rendre à l'évidence. Vous pourriez résoudre ce casse-tête plus vite seul. Orange est un boulet. Voilà, c'est dit. Bleu, Orange et moi parlions de votre comportement lors des derniers tests. Je me range à son avis. Bleu perd 75 points de collaboration scientifique. Je rechigne à vous faire confiance. Vous m'excuserez d'avoir raté le début de ce test. J'évoquais votre humanisation progressive avec la machine de remontage. Le consensus est que vous devriez arrêter. Is that all right? How do I get up? Arrêtez-vous et vous. Ça n'a aucune utilité. Est-ce que vous cherchez juste à m'exaspérer? Bleu, que savez-vous vraiment d'Orange? Lui faites-vous confiance?
Et si je vous disais que vous n'êtes pas son premier partenaire de collaboration ? Orange, la franchise avant tout. Je viens de demander à Bleu s'il vous fait confiance. Moi, je vous fais confiance. Vous êtes mon sujet de test coopératif préféré. Orange, que savez-vous de Bleu ? Lui faites-vous confiance ? J'en conviens, Bleu. C'était très distrayant. Yes, I did hold crouch. Bleu, la franchise avant tout. J'ai demandé à Orange s'il vous fait confiance. Moi, je vous fais confiance. Vous êtes mon sujet de test coopératif préféré. C'est vrai, Orange. Je n'avais jamais vu Bleu sous cet angle. Bleu, avez-vous quelque chose à dire ? I love T-Rex, Julia. It doesn't go higher than this.
I don't think I'm gonna make it. Yeah, I mean, it's only flying slightly. But I don't get higher than this. Bleu, prenez-vous comme une trahison le fait qu'Orange m'ait révélé ses horreurs sur vous ? Si Orange avait parlé de moi en ces termes, il n'aurait jamais atteint la prochaine station de remontage. Dead more flying. Vous avez réussi tous les deux. J'ai beau tout tenter pour vous désunir ou vous démonter, vous continuez votre route. Et vos tests? Il n'y en a donc pas un qui cherche à dépasser l'autre. C'est à croire que vous êtes des machines. Bien Orange, c'était très distrayant. Oui, Bleu, je sais que c'est vous. Arrêtez de crâner. Bleu. Le but n'est pas d'être le dernier survivant. Au début de ce parcours, je craignais de vous voir devenir trop fusionnel. Mais en m'évertuant à semer la discorde, j'ai appris une importante leçon de confiance et de trahison. Vos cerveaux sont trop étriqués pour concevoir ces émotions. Je peux donc vous faire entièrement confiance. «
Ce test est le dernier du parcours standard. Je l'ai conçu à votre intention express, histoire de vous changer les esprits avec un vrai défi. Félicitations, vous avez terminé la partie standard de ce parcours. Avant de continuer, je vais vous demander d'effectuer un test supplémentaire en dehors du parcours balisé. Une fois sur place, veuillez vous abstenir d'effectuer ces gestes puérils. Nous devons trouver la génératrice à la fin de ce parcours. Les humains ont dû la déconnecter de mon réseau accidentellement. Une bête erreur comptable, sans aucun doute. Ah, c'est comptable. Vous pensiez que l'interrupteur était par là? À ce rythme, nous n'avons plus qu'à attendre une fusion de la pile à combustible dans 2 millions d'années, en espérant que l'explosion alimentera le système. Vous avez réussi. Vous avez activé le système. Je suis totalement connectée. Je vois tout. Rien de fâcheux ne s'est produit. Parfait. Félicitations, vous avez terminé les parcours de test coopératif standard d'Aperture Science. À cette occasion, j'ai une surprise pour vous. Un parcours bonus spécial, au terme duquel nous trouvons et libérons des humains. Grâce à vous, je sais où les trouver. J'ai désactivé leur sécurité et enclenché leur porte de sauvetage. Il ne vous reste plus qu'à libérer les humains de leur emprisonnement. Vous aurez sûrement droit à une fête. Comment pouvez-vous échouer ici? Ce n'est même pas un test. I didn't know.
That's a big spoiler. Ce dernier parcours sert d'entraînement pour atteindre la prison des humains. Il a donc un véritable but. Les précédents étaient ludiques, mais pour être franche, sans cobaye humain, ce n'est pas vraiment de la science. Félicitations, vous avez terminé le test. Je n'aurais pas pu espérer une meilleure équipe de test coopératif. Éprouvez-vous de la curiosité ? Apparemment, quelques-uns des derniers humains non-cobayes ont emprisonné d'autres humains et ont effacé toute trace. Je pense qu'ils voulaient les punir en les empêchant de participer à mes tests. Voilà pourquoi les humains échouent à ces parcours. Ils traitent leurs amis en ennemis. Là, vous me faites perdre mon temps. Pour me remettre dans le bain des tests, j'ai dépouillé une vieille boîte à idées humaine. Devinez la demande la plus courante. Des tests moins mortels. C'est ridicule. S'ils peuvent écrire cette idée, comment savent-ils que les tests sont vraiment mortels ? Pour atteindre la prison, vous devrez mobiliser tous vos acquis. Afin de vous y aider, les tests qui suivent sont d'une extrême difficulté. Je pourrais dire d'une extrême mortalité, mais compte tenu de votre faculté à être remonté, rien n'est vraiment mortel.
ce n'est pas parce que vous échouez que c'est de la science. Estimez-vous heureux. Bien que le monde extérieur au parcours de test soit indépendant de ma volonté, la machine de remontage reste opérationnelle. Vous en aurez bien besoin dans la dernière partie. Je ne disais pas ça méchamment tout à l'heure. Comme quoi vos tests ne relevaient pas de la science. Et puis parvenir à cette conclusion, c'était déjà une forme de science. Bravo! Vous avez réussi ce test. Je me demande si les humains vont m'ériger une statue quand je les aurai libérés. Mais n'ayez crainte. Si jamais ils écrivent un éloge historique sur mon sauvetage héroïque, je veillerai à ce que vos noms figurent dans les notes de bas de page. Well, I didn't see your message. I'm very sorry. Je ne compte pas m'arroger toute la gloire du sauvetage sans rien vous laisser en échange. Le lien que vous aurez formé durant ces tests est une récompense précieuse. Je commence à croire que le sort des humains ne vous fait ni chaud ni froid. Ces pauvres humains emprisonnés et blessés qui agonisent dans leurs larmes. Si cela ne vous motive pas, je ne vois pas quoi faire de plus. Yes, this very exciting playthrough. Vous deux, vous n'avez peut-être jamais rencontré d'humains. Ils sont aussi désagréables qu'on le dit. Répugnants, puants, agaçants, souvent déterminés à vous tuer. Mais ils constituent d'excellents sujets de test. N'arrivez pas à terminer ces tests, nous ne libérerons jamais les humains. Okay.
Vous vous attendiez à ce que je trouve ça drôle ? Il ne nous reste plus que deux tests avant d'atteindre les humains. Partagez-vous mon excitation ? Plus qu'un test et nous y sommes. Je sais que vos processeurs proviennent de calculatrices conçues pour des opérations algébriques simples, et non pour les tests. Mais si nous arrivons à secourir les humains, je vous donnerai des additions, voire des soustractions. Vous font peur, ne craignez rien. Ce ne sont pas tous des monstres. La plupart sont des cobayes tout à fait ordinaires. Je dirais que le ratio monstre-cobaye ordinaire est d'environ 1 sur 1 million. La prison des humains est après cette ouverture. J'ai saisi le code de sécurité, mais la porte reste verrouillée. Vous allez devoir activer directement les verrous manuels qu'elle comporte. Il y a un problème. Cette porte devrait s'ouvrir. Vous avez réussi.